Hey yo tout le monde, c'est Cityraf. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Excusez-moi pour la très 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 longue absence de d'août à maintenant. Mais j'ai perdu mon logiciel de montage, j'ai eu quelques soucis avec mon ordi, donc je pouvais pas upload les vidéos. Voilà, donc là on reprend avec au moins une vidéo tous les mois. Surtout bonne année à vous, parce que voilà. Il y a plein de trucs qui ont changé depuis la dernière vidéo. Par exemple, la 50, j'avais des mesures trimestrielles, maintenant il a des mesures mensuelles. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler des appareils qui auront Android Q et quand ils l'auront. Et vous voyez ce petit effet cool là, la iOS, quand on bouge avec le téléphone, le fond d'écran il bouge aussi. Bon, c'était un petit truc cool à regarder. Très très style. Donc, voyons tout ça. Samsung Members. J'ai l'impression que la liste elle est cool, mais elle est pas si précise que ça. Genre, donc les prochains, les appareils concernés sont le S9, S9 Plus, Note 9. Il a déjà eu, mais on y reviendra dessus. A 10, à 20, à 40, à 50, donc là, tous les A 2019. A 70, à 86, bien sûr. Les A 2018 l'auront aussi, à l'exception du Galaxy A8. Le Galaxy A8 qui est sorti sous Android Nougat, donc qui a déjà eu ses deux mises à jour et qui n'aura jamais du coup Q. En tout cas, jamais officiellement, parce qu'avec les ROM custom. Et qui d'autre? Les A7 2018 qui est le même processeur, il peut l'avoir avec les ROM custom. Le J6 et le J6 Plus l'auront aussi. Aucune idée de si le J4 Plus l'aura, mais je pense pas. Après, il y a le Xcover 4S aussi. Et après, en tablette, il y a la Tab 5 SE, la Tab S6, Tab A 2019. Que ce soit en 10,1 pouces ou en 8 pouces, la Tab A 10,5 pouces, la Tab S4. Donc, du coup, les S10 et les Note 10 sont déjà mis à jour et les Note 9 aussi. Donc, allons sur mon serveur de test préféré. Bon, ça, c'est autre chose. C'est chargé une musique. Faute. Donc, le A50 a mis à jour tous les mois. Là, je suis sous le page de février, comme vous pouvez voir. Février 2020, le T, ça veut dire 2020, B, ça veut dire février. Il a eu le page de décembre ici, on peut le voir. Page de janvier, je sais pas si on peut le voir. Non, on peut pas le voir. Samsung est en train de tester Android 10 depuis le mois dernier, mais en France, ça a commencé là juste après qu'ils aient distribué les pages de février. Donc B, c'est-à-dire que c'est la première grosse mise à jour. T, c'est toujours 2020. B, c'est février. Et donc, on peut voir que l'OS, c'est Android 10. Donc, à mon avis, il l'aura avant le mois de mai, ce qui était prévu sur la liste, comme vous l'avez pu le voir avant. Soit il l'a le mois prochain, soit il l'a en avril, mais il ne peut pas l'avoir en mai. Parce qu'il y a déjà eu la certif Wi-Fi, le téléphone, il y a déjà eu la certification Wi-Fi, donc il ne peut pas l'avoir à ce moment-là. Le page février, il l'a eu le 3 février. Oui, le page de janvier et de février, on l'a même eu avant le S10 sur le A50. C'est très sympathique. Comme je vous disais, le Note 9 l'a déjà. On peut le voir. Depuis le 7 janvier, on n'en est pas, j'ai mes sources. Ça, c'est autre chose. On verra après. Voilà, j'ouvre un autre onglet. Je vais mettre Doc Samsung Mobile. Voilà. Donc là, on peut voir l'historique des mises à jour et quand c'est sort. Donc comme je vous disais, on a eu le 3 février, page janvier, après avril. Non, page février, 3 février, page janvier, 2 janvier. Et il y a eu des tas de mises à jour sur l'appareil photo. Genre, si l'appareil photo n'était pas si bon que ça pour vous, il y a eu de tas, des tas, des tas de mises à jour. Mais à mon avis, je sortirai qu'une vidéo. La vidéo là où je parlerai de la mise à jour Android Q, donc One UI 2.0. Je parlerai de l'appareil photo dedans parce que j'aurai le temps de faire des super clichés là. Là, j'ai pas le temps, on est en hiver, donc. Bon, c'est pas le souci de l'hiver et tout, c'est que j'ai pas eu le temps de faire de gros 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 clichés. Donc là, on peut voir tous les mois, il a une nouvelle mise à jour. Il a même eu deux mises à jour en novembre pour améliorer l'empreinte digitale. Et ça a commencé en octobre. Jusqu'à septembre, il avait une mise à jour trimestrielle. Bon, en vrai, il a eu depuis qu'il est sorti, si quoi que. Entre mai et août, il n'y a pas eu de mise à jour.
Mais en vrai, c'est juste entre mai et août, mais sinon, ils ont jamais respecté ce truc. Donc, la note 9 l'a eu depuis le 7 janvier. Le 10. Le 10 janvier. Excusez-moi. 7, 10 janvier, bon, à 3 jours près, ça change quoi. Ok, donc il l'a eu le 10 janvier en France. Le S9, je ne sais pas s'il a, il a déjà eu la dernière nouvelle. Il l'avait qu'en Allemagne et aux États-Unis. Toujours pas. Toujours pas. S9 Plus, j'imagine pas non plus. Faut pas sortir sur l'un et pas sur l'autre, donc ça c'est logique. Il y a aussi une rumeur qui disait que le S8 aurait Android Q. Cette rumeur, bien qu'elle puisse être vraie, moi j'y crois pas trop. Parce que Samsung ont toujours fait deux mises à jour sur leur flagship, sur leur milieu de gamme et sur leur entrée de gamme. Bon, sur toute leur gamme en fait. Ouais. Ils ont toujours fait deux mises à jour, ça m'étonnerait qu'ils changent à trois d'un coup. Après. Avec Android 10, j'ai pas vraiment parlé des nouveautés, mais avec Android 10, on pourrait s'attendre à une nouvelle interface d'appareil photo. Fait que toute l'autre fois, j'ai eu l'occasion de voir le A51 qui est déjà sorti, et j'ai même pas pensé à prendre deux screens, des trucs dans le genre. Donc, il y aurait une nouvelle interface d'appareil photo, la barre détail changerait légèrement. Quoi d'autre? Il y aurait peut-être un enregistreur d'écran natif, parce que là j'utilise Mobizen toujours. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Il y a aussi une liste sur voilà, l'organisation des réglages de l'image du texte et des couleurs en fonction de la position de luminosité. Les fonds d'écran aussi, ils vont ça s'embrouiller quand on a un thème sombre. Et que vous avez un fond d'écran, par exemple, vous avez pris une photo d'un truc en pleine journée et que vous l'avez mis en fond d'écran. Le fond d'écran va s'assombrir aussi pour consommer moins de batterie. Pratique. Ils ont changé les gestes. Bon, en plus des gestes là, swipe, tu peux faire le haut. On a aussi des gestes. On aura aussi les gestes de Google, c'est-à-dire le swipe vers la gauche pour quitter, swipe vers le haut pour bouton home, swipe vers le haut retenu. Bon, là, ça fait Google Assistant. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux vous montrer les. Si vous voyez pas ce que je fais, non, c'est pas grave, je vais dans le réglage après. Soit vers le haut retenu, c'est multitâche. Ouais, c'est beaucoup plus simple et ça ressemble plus à iOS. Même si ça ressemble plus à iOS, moi je trouve ça plus beau. Donc, les textes aussi sur les fonds d'écran sombres, ça. Ce sera. Bon, ça change, la couleur du texte changera par rapport à la couleur du fond d'écran ou de l'arrière-plan. Ça se fait déjà sur Android, mais il y a certains moments où l'implémentation n'est pas si bien faite que ça, donc j'espère que ça va être vraiment amélioré. Le bien-être numérique a été amélioré aussi, l'appareil photo, ce que je vous disais, il a été amélioré, les nouveaux gestes, les icônes. Je crois qu'à mon avis, ce que j'ai vu, c'est que les nouveaux Samsung, ils sont sous le mode naturel d'origine, sont calibrés sur le mode naturel d'origine. Mode naturel, c'est l'équivalent au mode basique sur la 50. Vous pourriez pas voir de différence, à part si je vous montre à caméra, mais bon. Vous testerez sur vos Samsung. Soit vous avez basique photo AMOLED, cinéma AMOLED et affichage adaptatif. Dans ce cas-là, vous avez sur affichage adaptatif quand vous avez un vieux Samsung. Ou sinon, vous avez vif et naturel. Et vous êtes sur vif si vous avez un vieux Samsung. Entre guillemets vieux, hein, c'est-à-dire jusqu'à 2019. Et même moi, j'ai eu plus de réglages d'écran que le A70, par exemple. Le A70, c'est juste vif et naturel. Bon, en tout cas, moi, je suis sur l'affichage adaptatif. Je suis pas un connaisseur, mais voilà, basique, c'est si vous voulez vraiment les couleurs les plus fidèles à l'écran retranscrites. Et du coup, je crois que j'ai parlé de toutes les nouveautés, hein. Si vous avez une seule question, vous allez venir en commentaire. Je vous réponds à tout moment. Merci pour les 130 abonnés. J'ai pas fait de vidéo, j'ai gagné 8 abonnés. Il faudra m'expliquer, les gars. C'est-à-dire, j'en fais une, je gagne combien d'abonnés? Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, aller voir d'autres vidéos, aller voir la chaîne A2 avec le name qui n'a qu'une seule vue sur sa dernière vidéo. Comme j'aime bien dire à la fin.
La puissance was down. Je dis ça, mais ça veut pas dire grand-chose, mais voilà. Bon, sinon, salut les gars, on se voit dans une prochaine vidéo qui arrivera plus tard dans ce mois-ci. Ciao!